Alors, Paul le Court et le Héron du Val d'Or. Paul le Court, pour vous situer mes sources, il y a des sources que tout le monde connaît, j'ai des sources personnelles parce que il y a bien des années, j'appartenais à l'association Atlantis. Et à l'époque, l'association Atlantis était dirigée par son secrétaire général, Jacques Darès, qui était un peu le fils adoptif de Paul le Court. Et j'en profite de cette occasion pour signaler qu'il y a un peu plus d'un mois, Jacques Darès est décédé et que juste avant son décès, les éditions Dervy ont publié son petit livre de mémoire. Petit livre qui est intéressant car il y a quelques lignes consacrées au sujet que nous évoquons aujourd'hui. Alors, j'ai bien connu Jacques Darès. J'ai bien connu à l'époque le docteur Robert Ollier, qui était le président d'Atlantis. Ces détails ont leur importance. De Paul le Court, évidemment, je ne l'ai pas connu. Le portrait que je m'en suis fait est à peu près le suivant. C'était quelqu'un qui était passionné par la Grèce antique. Il était passionné par la philosophie antique, par l'archéologie grecque. C'était un grand lecteur de Platon. C'était aussi un esthète. C'était un artiste. Un musicien, il jouait du violon. C'était aussi un artiste peintre et il était passionné de photographie. Et c'était aussi un grand sportif, une sorte d'explorateur. Il était né à Blois, il a eu une enfance blésienne et il parcourait la Loire en canoë. Très rapidement, pour situer également le personnage, quelques années après la création de l'association Atlantis, Christian Doumer l'a rappelé, c'était en juin 1927, il avait acheté une propriété à Arès, au bord du bassin d'Arcachon, qui était attaché. Et sur sa propriété, il avait créé un centre de vacances réservé aux membres de l'association, où on pouvait planter sa tente ou utiliser des bungalows. Et on fait partie de l'association Atlantis. On fréquentait ce centre de vacances qu'il avait appelé la Piñada Atlantis. Quelques noms connus comme Jean Anouilh, l'écrivain de pièces de théâtre, comme André Jolivet, le compositeur de musique contemporaine. Donc, pour Paul le Court, voilà ces quelques mots. J'ai aussi connu, parce que Paul le Court a une vie familiale très difficile. Il avait adopté une famille, la famille Enjouran. Et Jacques Darès, son véritable nom était Jacques Enjouran. Il avait eu des soucis avec son épouse et il avait dû placer sa fille et surtout sa petite-fille qui avait été adoptée par une famille. Le hasard a fait que j'étais très lié avec cette famille. Donc j'ai bénéficié d'un certain nombre de témoignages assez directs. Alors, je me suis intéressé très vite au Héron du Val d'Or, tout simplement parce que à cette époque était sorti un double numéro d'Atlantis sur Parel Monial. Paul le Court avait évoqué cette question bien des années auparavant dans un numéro d'Atlantis précédent. Alors là aussi, que dire du Héron du Val d'Or? Il y a un aspect tout à fait connu, public. Christian Doumergue en a parlé, il a montré la photo du bâtiment. Le Héron du Val d'Or, à Paray-le-Monial, le Val d'Or est un lieu dit de Paray-le-Monial, j'y reviendrai, c'est un bâtiment. Alors c'est un bâtiment de facture fin 19e siècle, mais c'est un bâtiment qui se veut reposant sur une architecture élaborée, on pourrait même dire symbolique. Il y a cinq salles, au centre une grande salle octogonale, celle où il y a les grandes compositions, les grands dioramas, comme on disait à l'époque. Et il y a autour quatre autres salles. Alors, le bâtiment qui avait beaucoup souffert, qui avait été laissé, moi je l'ai connu il y a presque 30 ans, dans un état très désuet. Les collections existaient pour partie, mais très désordonnées. Donc ce bâtiment a beaucoup souffert, mais il a fait l'objet d'une restauration à l'initiative de la ville de Paray-le-Monial et d'une province jésuite de Belgique. Alors, évidemment, les collections, on va dire, des quatre salles extérieures n'ont plus rien à voir avec ce que c'était à l'origine. L'exposition est fondée sur des normes muséographiques actuellement en vigueur, mais la salle centrale a été restaurée
Alors effectivement, Christian Domergue l'a dit, la question s'est posée de savoir jusqu'où on allait dans les restaurations, parce qu'on a fait sauter un certain nombre d'enduits qui masquaient des compositions qui avaient disparu, mais qui étaient toujours là. Et ces compositions, on n'en parle jamais, mais elles ont peut-être leur importance. En quelques mots, il y a la représentation sous forme de blasons, qui sont loin d'être les blasons officiels, des territoires de l'Europe et d'ailleurs. Et il y a les blasons représentant les grands courants religieux. Dans cette salle octogonale. Alors le Hieron du Bal d'Or, c'est tout à la fois ce bâtiment, un musée, ce fut une bibliothèque de près de 4000 volumes. Et tout cela, tout cela a été financé par un mécène, le baron Alexis de Sarachaga, grâce à sa fortune personnelle. Et le Hieron du Bal d'Or, c'est aussi un cursus. C'est-à-dire sur 30 ans, de 1883-85 jusqu'en 1914 environ, un ensemble de revues ont été publiées. Le titre changeait régulièrement, tous les 5 ans, ce qui a fait écrire à Jacques Darès qu'il y avait peut-être un plan prédéterminé. Mais l'ensemble de ces revues, on pourra parler du contenu, qui est parfois discutable, constituait un cursus. Ça, nous le savons. Alors, y avait-il autre chose ? Récemment, deux universitaires ont repris les études sur la question, et notamment Evelyne Latour, qui avait publié dans la revue Politica Hermetica, et qui disait, y a-t-il eu une sorte d'organisation, comment dire, sous forme de grade imagé, chevaleresque, au sein du Hieron du Bal d'Or ? Et elle conclut, probablement pas, parce que le Hieron n'en avait pas besoin grâce à la fortune du baron de Sarachaga. Alors je laisse à Evelyne Latour la responsabilité de ses propos, de ses écrits, qui laisserait donner à penser, n'est-ce pas, que la fabrique de grades permet d'alimenter la trésorerie. Pour en revenir aux deux termes de notre proposition, Paul Lecour et le Hieron du Bal d'Or. Jacques Darès avait posé la question, Paul Lecour est-il l'héritier du Hieron du Bal d'Or ? Il disait même, est-il l'héritier du baron de Sarachaga ? On verra qu'il faut nuancer sous différentes formes tout cela. Est-il l'héritier de ce courant ? Sachant que le Hieron du Bal d'Or se présente comme un établissement à part elle mondiale, très religieux, ultramontain, qui parfois prend un tour nettement plus ésotérique et pour certains, voire très discutable, et qui, à partir de 1926, reprend un tour très ultramontain, ça devient la Ligue du Sacré-Cœur. Et en 1930, on parle encore du Hieron. Mais il n'y a peut-être plus grand rapport avec ce qu'il y avait à l'origine. Ensuite, quelle est la nature du projet ? Alors là, il faut essayer de faire appel aux déductions ou à l'induction pour dégager quelques points. Alors, Paul Lecour et le Hieron du Bal d'Or, y a-t-il une influence ? Nous l'avons vu, chez Paul Lecour, il y a au moins deux points fondamentaux. L'Atlantide, l'origine de la tradition, l'Atlantide à l'origine du mythe et de la tradition pour tout l'Occident, et l'ère du Verseau. Si on prend ces deux points fondamentaux chez Paul Lecour, la réponse est oui. Ces deux thèmes existent dans le cursus du Hieron du Bal d'Or. C'est indiscutable. Alors la question de l'ère du Verseau, elle a fait l'objet d'études relativement récentes. Il y a 15 ans environ, Robert Amadou avait écrit un article sur le sujet. Vous savez que c'est un thème qui est d'actualité, si je puis dire, parce que l'ère du Verseau est liée au New Age, via une personne qui s'appelait Alice Bailey. Et Alice Bailey introduit la notion d'ère du Verseau dans ses années 20, précisément, mais d'autres, en même temps qu'elle, indépendamment d'elle ou avant elle, ont agité cette notion. Il y a eu celui qui se faisait appeler, qui signait Suzanne, sans jeu de mots, qui est plus important qu'il n'y paraît, et beaucoup moins connu qu'Alice Bailey.
Et puis il y a eu Paul Lecourt, qui a même publié un livre qui s'appelle L'ère du berceau. Alors je rappelle ce que c'est que l'ère du berceau chez Paul Lecourt. Il s'agit d'une notion cyclologique. Vous savez, ou vous ne savez pas, qu'en cosmographie, la Terre a un ensemble de mouvements assez complexe. Il n'y en a pas que deux, pas que trois, il y en a plusieurs. Et il y en a un qui consiste au fait que son axe n'est pas figé. Donc ce phénomène induit quelque chose qui s'appelle la précession des équinoxes. Alors j'essaie de m'expliquer. Vous avez essayé de me suivre. Le 21 mars, alors l'équinoxe, non seulement une date, mais c'est aussi une heure précise, hein, je le rappelle. Bon. Donc théoriquement, s'il fait beau, s'il fait jour, le 21 mars à l'équinoxe, à l'heure de l'équinoxe, on va voir le soleil se lever. Et vous savez que le soleil parcourt en apparence l'écliptique et qu'il y a 12 constellations, ou 13. Bon. Il y en a 12. Et donc, le point où le soleil se lève, c'est le point vernal, le point gamma. Et il y a une constellation du zodiaque qui figure à ce point. Sauf que du fait de la précession des équinoxes, il y a un léger décalage qui s'introduit chaque année. Alors, vous savez qu'en astrologie, 0 degré du bélier, le point gamma, c'est le bélier. Mais qu'actuellement, le 21 mars, le soleil ne se lève pas du tout dans la constellation du bélier. Fin des poissons, début du verseau, ne discutons pas. Là n'est pas le problème. Mais donc, au fil des siècles, il y a ce décalage. Et approximativement, pour chaque constellation, et si on arrondit, le changement de constellation se fait tous les 2160 années, à peu près. Et Paul Lecourt l'a écrit, ce changement, je lui laisse la responsabilité de ses propos, de ses écrits, ce changement de constellation, appelons-le de signe, introduit un changement matériel, psychologique, social, on dirait de nos jours sociétal, et surtout religieux. Et comme les religions se basent sur un appareil symbolique, Paul Lecourt avait même établi, mais il ne l'a pas inventé, que très souvent, la marque dominante, le signe dominant des religions en vigueur à l'époque, était lié au bélier, au taureau, au poisson. Le bélier, ben, vous retrouverez certaines religions antiques, le taureau également. Le poisson, c'est la religion chrétienne. On pourrait peut-être en trouver d'autres dans le monde. Et, point important, dans cette théorie de l'ère du Verseau, c'est que Paul Lecourt disait bien, mais à la suite de ce qu'il avait appris dans le cursus du Hieron, que nous arrivions enfin d'ère des poissons. Alors ça se passe peut-être pas brutalement, que nous allions entrer dans l'ère du Verseau. Donc on pouvait en déduire qu'en se basant sur cette histoire cyclologique pensée, eh bien que ce changement d'ère allait entraîner des transformations sociales, religieuses, que quelque part la religion chrétienne allait connaître des évolutions, des transformations. Encore une fois, je ne prends pas parti. Hein, mais voilà, j'ai essayé d'expliquer en quelques mots ce problème d'ère du berceau. Alors effectivement, le New Age en fait un certain usage. Ce n'était pas prévu par Paul Lecourt, je crois. Mais vous pouvez maintenant comprendre que se basant dans cette perspective de changement d'air, cela facilite certains canaux, on va dire, eschatologiques. Est-ce que le changement d'air se passe en douceur, pas en douceur? Est-ce qu'il ça remet en cause des situations acquises? Bon, je ne vais pas plus loin, mais on peut imaginer un certain nombre de choses. Alors, voici donc deux notions fondamentales. L'Atlantide et la tradition primordiale, l'ère du Verseau, que Paul Lecourt a emprunté quasiment mot pour mot au cursus du Hieron du Val d'Or. Il y a même d'autres notions.
Il y a eu des articles dans la revue Atlantis sur l'écriture berbère, sur les signes berbères. Ben, il faut savoir qu'il y avait ça dans la revue du Hieron au moment où elle s'appelait le Novissimum Organon. Et il y a d'autres exemples qui montrent que finalement, les emprunts sont allés très loin. Que l'influence du Hieron sur Paul Lecour est peut-être beaucoup plus profonde qu'on ne l'imagine, sachant que Paul Lecour est resté ce qu'il a toujours été, un penseur original, personnel et critique. Alors maintenant, la question, mais pourquoi Paul Lecour entre-t-il en rapport avec le Hieron du Val-d'Or? Alors là, c'est une histoire romanesque. Christian Doumergue l'a dit, il va faire la connaissance de Jeanne Lépine-Autelin, qui était une des dernières survivantes de l'ancienne équipe du Hieron. Elle avait été la secrétaire du baron de Sarachaga et bien d'autres choses. En fait, que se passe-t-il? Eh bien, ça se passe à la fin de l'année 1923. À l'époque, Paul Lecour est en recherche. Et il est très proche d'un personnage. Ce personnage s'appelle Pierre Dujol. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Mais c'est un personnage beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Il est connu. Il va décéder d'ailleurs en 1926. Encore 1926, c'est vraiment une année charnière. C'est un libraire. Un libraire d'anciens spécialisé dans l'ésotérisme et l'occultisme. Et il est très connu parce qu'il avait une librairie, la librairie du Merveilleux, à Paris. Il rédigeait des catalogues et les fiches de ces catalogues sont extrêmement détaillées, pertinentes et originales. Quelque part, en lisant ces fiches, on a une idée de la pensée de Paul Lecour. Et il s'agit souvent de livres d'érudition du 19e siècle, hein, ce n'est pas tellement du 18e, 17e. Donc, lire ces fiches, c'est très instructif quant à la personnalité de Pierre Dujol et à son immense érudition. C'était quelqu'un qui avait constitué des fichiers, notamment sur les cathédrales de France, sur certains édifices. Et vous savez ou ne savez peut-être pas qu'il y a une énigme Fulcanelli. Il existe deux livres, Le mystère des cathédrales et Les demeures philosophales, signé Fulcanelli. Et parmi les candidats potentiels avancés au nom de Fulcanelli, il y a Pierre Dujol. Ce que je puis dire, c'est que Le mystère des cathédrales et un peu les demeures philosophales, au point de vue texte, doivent beaucoup au fichier de Pierre Dujol. C'est un personnage qui, avant d'être libraire à Paris, a été journaliste. Alors, il y a une énigme chez Dujol. Il est né dans le Cantal, à Saint-Illide. Il avait un frère aîné, mais on le retrouve dans les Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence. Il fait ses études au Collège des Jésuites d'Aix-en-Provence. Et Paul Lecour, Eugène Cancelier, que j'ai bien connu, me disait, pour le père Dujol, il y avait une énigme. Il était au Collège des Jésuites d'Aix-en-Provence. Tous les mois arrivait un mandat. On ne savait pas d'où ça venait pour payer les études. Il avait ajouté, Eugène Cancelier avait ajouté, c'était exactement comme pour Végan, dont on disait qu'il était un fils naturel de Maximilien du Mexique. Et, sujet de Pierre Dujol, pourquoi cette parenthèse? Il avait un frère aîné qui était facteur au poste à Saint-Chamas, dans les Bouches-du-Rhône, et ce facteur a écrit plusieurs brochures, dont une, publiée dans ces années 1870, qui est intitulée « Valois contre Bourbon par un descendant des Valois ». Alors vous voyez, on parlait des Mérovingiens et là on a des descendants des Valois. Donc je livre ces éléments concernant Pierre Dujol. Sachant qu'entre ses études à Aix-en-Provence et Paris, il y a des trous dans sa biographie, mais on sait qu'il a résidé à Toulouse. Peut-être a-t-il exercé ses fonctions journalistiques à Toulouse, où il a connu de près certains milieux non-dorfistes et autres, donc dans une région toute proche. Et c'est ce personnage qui est, je pèse mes mots, le mentor de Paul Lecour. Et si je l'affirme, c'est que j'ai les éléments probants pour l'affirmer.
Et que je ferai peut-être état, j'ai des témoignages écrits, des témoignages oraux et des témoignages écrits. Et que se passe-t-il ? Et voyez le roman. Donc nous sommes en novembre 1923. Paul Lecourt s'entretient avec son mentor, Pierre Dujol, qui l'a orienté sur différentes choses. Et Paul Lecourt cherche, il lui manque l'étincelle. Et Pierre Dujol lui dit textuellement, « Vous cherchez l'illumination ? Allez donc voir à Paray le Monial s'il n'y a pas quelques secrets à découvrir. » Et Paul Lecourt respectait tant Pierre Dujol qu'il prend le train pour Paray le Monial un samedi soir, un samedi. Je précise que Paul Lecourt a eu l'habitude de prendre le train parce qu'il était fonctionnaire au ministère des Transports. Il bénéficiait de par ses fonctions de facilité de circulation. Il arrive à Paray le Monial, il prend pension. Le lendemain dimanche, il pleut. C'est un 23 novembre. Il va à la basilique, qui est un superbe édifice, très intéressant, mais dont la compréhension est peut-être compliquée au premier abord. Il assiste à la messe. Bon. Sortant de la messe, il va ailleurs, à la chapelle de la Visitation, il assiste à la messe. Il essaie de s'entretenir avec les prêtres, et puis il faut bien dire, il est très découragé. Il pleut, et il se renseigne à la gare, il ne va pas rentrer à Paris comme ça facilement un dimanche soir. Donc il retourne à sa pension, l'heure du déjeuner est avancée. Alors on lui dit, c'est un monsieur tout seul. Hein. Un dimanche matin, il y a du monde à Paray le Monial. Donc écoutez, si on va essayer de vous loger à table avec une vieille demoiselle qui est toute seule aussi. Alors Paul Lecourt, toujours charmant, dit, je ne veux pas la déranger. Bon. Et il se trouve face à une vieille demoiselle. Donc la conversation s'engage poliment. Et Paul Lecourt était un homme très direct. Tout de suite, il fait part de sa déception. Il dit, je suis venu, il lui explique. Il y a peut-être aussi un côté provocateur chez lui parce qu'il était fondamentalement chrétien, mais il n'était pas, on va dire, ultramontain, discipliné. Et la vieille demoiselle lui dit, « Et si c'est moi qui suis en mesure de vous apporter ce que vous cherchez ?» Ça se serait passé comme ça. « Si vous voulez bien accepter de monter dans ma modeste chambre après le café, je serai en mesure de vous montrer des documents susceptibles de répondre à votre attente. » Effectivement, la demoiselle, c'était Jeanne Lépine-Autelin, qui commence à lui expliquer ce dont il s'agit et qui lui montre les revues assez luxueuses, le cursus du Hieron et d'autres documents. Et rentré à Paris, Paul Lecourt va entretenir une correspondance régulière avec Jeanne Lépine. Et il faut dire que Paul Lecourt a toujours une attitude ambiguë. Vis-à-vis de cela, il est d'une part enthousiasmé par ce qu'il trouve, mais en même temps, il émet des réserves en disant « mais il y a des fantaisies, il y a des choses qui ne sont pas sérieuses, Ça sera l'attitude permanente de Paul Lecourt en la matière, attitude critique, mais il y aura une réelle sympathie entre la demoiselle et lui. Presque, c'est une collaboration et une transmission. Et Paul Lecourt parle bien de centre kabbalistique, ce à quoi Jeanne Lépine lui dit, surtout ne parlez pas de centre kabbalistique aux prêtres, vous allez vous faire mal voir. Bon, ça, c'est toujours aussi le problème du Hieron, qui, on va dire, comme dirait dans un moment de relâchement certain, ça sent la sacristie, et qui en même temps aborde des positions extrêmement audacieuses. Alors, cette correspondance, je l'ai eue entre les mains. À l'époque, Jacques Darès me l'a communiqué. Il était envisagé par Paul Lecourt de la publier. Jacques Darès voulait le faire. Ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas ce qu'il en serait ultérieurement. Mais pour en revenir au Hieron, on voit bien que c'est là que naissent un certain nombre d'idées forces. Et Evelyne Latour est formelle, je la suis sur ce point-là, en ce qui concerne la notion d'ère du Verseau, moderne, l'origine pour elle est bien là. Elle émane textuellement, je la cite, d'un groupe ésotérique chrétien qui a une audience internationale, ce qui est vrai. Alors,
Comment naît le hiron ? Alors, c'est très compliqué. Je me répète formellement, on a un bâtiment, un musée, une bibliothèque, on a un cursus. Et on a des assemblées, on a des groupes. Mais comment tout cela naît-il ? De la rencontre entre deux personnes, un jésuite, le père Drevon, et un aristocrate espagnol russe, le baron Alexis de Sarachaga. Alors, il faut quand même se replacer dans le contexte. D'abord, le baron de Sarachaga a perdu son père très jeune. C'est un personnage hypersensible, par certains côtés excessif. Par certains côtés, chez lui, l'affect prend le pas sur le reste. Il se cherche. Il quitte vite l'Espagne, il rejoint une autre partie de sa famille qui est en Allemagne et qui est en Russie. Et il fait des études d'ingénieur en Suisse. Et comme c'est un personnage excessif en tout, il devient ultra-rationaliste, ultra-mécaniste, ultra-matérialiste. Il est fidèle à l'enseignement qu'il reçoit. Je passe sur les détails. Il a une sorte de conversion. Et c'est un personnage qui a des élans mystiques. De passage en Allemagne, il visite la petite ville d'Eisenach, où est né Bach. Et à proximité d'Eisenach, il y a la Warburg, qui est célèbre pour son légendaire, pour son tournoi de la Warburg. Et là, il entend parler de Paray-le-Monial. Et que fait-il ? Il va à Paray-le-Monial et il rencontre le père Drevon. Alors, l'époque, que se passe-t-il ? Paray-le-Monial est un centre religieux. En deux mots, le contexte de l'époque... Je fais un peu de publicité. Christian Doumergue a publié un livre qui s'appelle « Le cercle de Narbonne ». J'ai écrit une préface. Avec ces deux textes, on a une idée du contexte de l'époque. Nous sommes dans ce contexte. Alors, Paray-le-Monial est célèbre dans ce contexte religieux parce qu'en 1689, une religieuse, Marguerite Marie, en prière dans la chapelle, a la vision du Christ du Sacré-Cœur et qui lui donne un certain nombre d'instructions. Et Marguerite Marie a comme confesseur et comme guide un jésuite, parce qu'il y a une maison des jésuites à Paray-le-Monial, et les jésuites sont omniprésents à Paray-le-Monial. Le père de la Colombière. Marguerite Marie aurait délivré un certain nombre de messages, on va dire, qu'elle a répercuté du Christ, et notamment qui s'adressait à Louis XIV. Les siècles passent, les décennies passent. Nous sommes en 1870-1873. Le contexte a beaucoup changé. C'est le contexte qui est décrit dans le cercle de Narbonne. Il y a eu la Révolution. On va dire dans les milieux légitimistes catholiques, mais pourquoi la Révolution ? Pourquoi ce désastre ? Eh bien, parce que la France n'a pas été suffisamment fidèle à son engagement religieux. Et là, on va même jusqu'à dire, c'est pas parce que Louis XIV n'a pas obéi aux prescriptions du Christ qui lui ont été envoyées par Marguerite Marie. Pas oublier aussi que c'est l'époque, suite à la Restauration, suite à la monarchie de Juillet, au Second Empire, c'est la réparation. Il y a le blasphème. La Révolution est un blasphème. Les républicains sont blasphèmes. On engage les œuvres de réparation. On fait des pèlerinages. Et on ressort, si je puis me permettre, l'expression est un peu triviale, Paray-le-Monial. On décide que là, se passe quelque chose. Et il y a cette catastrophe qui est la chute du Second Empire, les Prussiens à Paris. La Commune de Paris. Le gouvernement, l'État s'effondre. Là aussi, il y a une sorte de punition. Et qu'est-ce qui se passe ? Un courant est créé, un certain nombre d'associations existent. Je passe sur ces associations. Mais il y a par exemple l'Union apostolique des prêtres du Sacré-Cœur. Vous savez qu'elle était assez présente dans la région par le biais de quelqu'un, d'un ecclésiastique qui s'appelait Lafont Médieu, à Castelnaudary. Tous ces groupes sont liés à travers diverses congrégations religieuses. Et
on décide qu'il faut consacrer la France au Sacré-Cœur. La chose est faite à Paray-le-Monial en 1873. On crée un pèlerinage. 200 000 personnes vont se précipiter à Paray-le-Monial. On va battre une médaille sur laquelle figure Marguerite Marie et le père La Colombière. C'est ça le contexte. Et le père Drevon est à l'œuvre. Il a créé un certain nombre d'associations, de la communion réparatrice. Et on consacre la France au Sacré-Cœur. Et celui qui est, on va dire, l'acteur majeur de cette opération à Paray-le-Monial dans les jardins de la Visitation, c'est un député de Toulouse qui est le comte Gabriel de Belcastel. En même temps, le père Drevon a des projets. Il a rencontré Alexis de Sarachaga. Et Alexis de Sarachaga, une voie toute tracée, ça va être le mécène grâce à sa fortune personnelle. Alors, il y a des projets, il y a l'idée de construire un grand temple à Paray-le-Monial. En fait, il ne sera pas construit, il sera construit à Paris, c'est la basilique du vœu national à Montmartre. Et de fil en aiguille, à Paray-le-Monial, on va s'orienter vers autre chose. Il y a l'idée de faire un temple, mais les proportions seront beaucoup plus réduites. Et le père Drevon décède. À nouveau, Alexis de Sarachaga, son caractère est ce qu'il est, sa grande sensibilité, Alexis de Sarachaga est effondré. Et quand on dit que le Hieron a pour origine ces deux personnages, c'est vrai, en même temps, ce n'est pas tout à fait vrai. Le père Drevon disparaît. Il paraît que Alexis de Sarachaga est désespéré, il parle même de se faire clochard. Et là, il y a un jésuite, on reconnaît bien les révérends pères, qui lui dit... En quelque sorte, il dit, mais vous croyez qu'on a fait tout ça pour ça, hein ? Secouez-vous donc un peu. Vous avez quelque chose à faire. On reconnaît bien là les révérends pères. Et de là, la fortune du baron va servir à construire le bâtiment, va servir à organiser certains pèlerinages, va servir à constituer la bibliothèque et les collections du musée. Et financer probablement les publications. Alors, avant même la constitution du Hieron, on a une sorte de préliminaire. Apparaît, on veut dire, le premier pas du cursus, la revue du règne de Jésus-Christ. Ça succède à la communion réparatrice du père Drevon. Donc il y a un comité directeur. Et je cite quelques noms parce qu'ils peuvent se révéler importants. Il y a les révérends pères jésuites de Lachaud, de Marseille, et Fristo de Lille, le baron de Sarachaga, et le président des études est le comte Étienne d'Alcantara, qui est une vieille famille noble, qui avait un ou deux templiers dans son arbre généalogique. Et surtout, apparaît un personnage qui va jouer un grand rôle dans la coulisse, mademoiselle Émilie Tamisier, qui est très proche de Monseigneur de Ségur, qui est un des évêques français d'un certain courant. Il meurt en 1881. Et quelque part, mademoiselle Tamisier, c'est l'éminence grise du Hieron. Et elle est accompagnée de quelqu'un qui est tout simplement sous-gouverneur à la Banque de France et qui est responsable du financement de la basilique de Montmartre. On voit que les choses s'enchevêtrent. Et mademoiselle Tamisier connaît du monde, puisqu'elle organise la rencontre entre le baron de Sarachaga, le comité directeur du Hieron, du futur Hieron, et l'abbé Joseph Lehmann. Alors là, je fais une petite parenthèse. Les abbés Lehmann sont connus à l'époque. Ils ont écrit plusieurs livres, L'entrée des Israélites dans la société française. Ce sont des juifs alsaciens. Je me trompe peut-être, mais leur père était rabbin à Strasbourg. Et ils passent au catholicisme. Ils entrent même dans les ordres. Et à l'époque, ce n'est pas un cas unique. Il y a tout un courant de juifs, souvent alsaciens, qui passent au catholicisme. C'est le cas de Drac, du chevalier Drac, qui avait un frère qui était abbé, qui a écrit un livre sur l'Église et la synagogue et qui était un excellent hébraïsant kabbaliste. Et c'est l'époque où, dans l'Église catholique,
on va dire avec la bénédiction de la hiérarchie, parce que ça va jusqu'à Rome, il se retrouve tout un courant de kabbalistes authentiques. Et souvent, l'idée, c'est de dire que les dogmes de la religion chrétienne sont justifiés par la kabbale. Je résume, mais il y a ce courant qui existe. Ça sera le cas de Liebermann, qui est le refondateur de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, qui aura une importante maison à Castellandari, d'ailleurs. Liebermann est également un converti. Ce courant existe. Et on le détecte. Il aura d'ailleurs d'étranges ramifications. Alors, je vais vite, parce que le temps nous est compté. Le cursus commence. En 1895, il semble qu'il y ait une nouvelle équipe. La revue s'appelle le Novissimum Organon. Entre le docteur Henri Favre, c'est un ami de Drummond. Henri Favre avait envisagé de créer un ordre chevaleresque dont le siège aurait été dans l'île de Sein. Et surtout, il a une fille, Madame Bessonnet Favre, qui signe Francis André. Le docteur Henri Favre lui a un pseudonyme, on l'appelle le vieux Celte. Et il est cité, si vous connaissez le petit livre de Victor-Émile Michelet, Les compagnons de la hiérophanie, qui passe en revue l'entourage de Papus, de Guetta, de Péladan. Il y a un chapitre consacré au docteur Henri Favre. Et sa fille, Francis André, va littéralement monopoliser les pages du Novissimum Organum. C'est elle qui écrit notamment un grand article qui s'appelle « Le Targum du Grand Occident » et c'est elle qui va formaliser la notion d'air du berceau. Donc, je vais très vite. Alors, ces assertions sont parfois contestées. En 1890, s'était installée à Paris Jeanne Lépine, après avoir quitté le service de Monseigneur de Sussex. Et en 1895, apparaît Félix de Ronay. Félix de Ronay est originaire d'une famille de noblesse qui était dans l'île Maurice. Et c'est très important, il a écrit des livres, dont un qui s'appelle « Le Hieron du Val d'Or ». Pardon. Et, bon, en tout cas, il l'a signé. Je ne sais pas s'il l'a écrit, parce que j'ai parfois des doutes, mais il l'a signé. Et sa famille est originaire de l'île Maurice. Il a été très proche d'un ecclésiastique, d'un jésuite en mission, Monseigneur Merin, archevêque de Paul-Louis, et peut-être qu'on en reparlera. Alors, on pourrait résumer ça de la façon suivante. Il y a, semble-t-il, une recherche de la tradition primordiale et de l'unité primitive par l'étude comparée des symboles transmis d'âge en âge par les monuments et les sites géographiques. Et tout ça, éclairé par les récits bibliques, cette étude, savamment menée, doit permettre de retrouver les clés de l'histoire. Alors évidemment, ce n'est pas l'histoire universitaire. C'est l'époque où on crée deux sociétés, deux associations, l'Union parodienne, parelmoniale. Sa fonction est très claire, c'est d'aller faire les fouilles... Dans la roche de Solutré, on a vu une photo tout à l'heure, hein, c'est ça, c'est eux. Voilà. Merci. Et l'autre qui s'appelle la protographie comparée. Bon, protographie comparée, c'est bien le jargon de l'époque qui nous paraît un peu désuet, qui se retrouve beaucoup dans les publications du Hieron. Il s'agit d'étudier un certain nombre de figurations de symboles, de montrer qu'ils ont des racines communes et de décrypter le cours de l'histoire. Et il faut ajouter un autre nom dans l'équipe. Émile Soldi Colbert de Beaulieu. Il est chargé de mission auprès du ministère de l'Instruction publique. Il a écrit un ensemble de plusieurs volumes sur la langue sacrée. Et justement, volume illustré. Et il y a toujours l'idée d'une langue primitive commune derrière tout cela. Une des dernières phases du cursus s'appelle le Politikon, c'est la tranche 1900-1905. Évidemment, on reprend les thèses du début du 19e sur l'unité du genre humain. C'est pas, il y a notamment Frédéric de Rougemont avait écrit Le peuple primitif. Et on va y trouver que Adam était le premier catholique. Mais on trouve ça dans d'autres histoires légendaires. Hein, donc. Et
C'est dans le Politicon qu'on va apprendre que le christianisme était né en Atlantide, et les Atlantes ayant reçu le livre de Seth, en avaient transmis le secret d'Aoragni aux druides. On a là le cheminement fondamental du Hiéron, l'Atlantide, le monde celte, les druides et le christianisme. C'est ce cheminement, on va dire, fondamental que Paul Lecourt, quelque part, reprendra à son compte. Je voudrais aussi résumer d'une formule que j'emprunte au Novissimum Organum. Le Novissimum Organum se veut un exposé scientifique, entre guillemets. Bon. Vous savez, c'est fait référence à Organon d'Aristote. Alors, je cite. Il a pour but d'enseigner la méthode par laquelle le genre humain accède, d'après l'ordre providentiel, à la transformation de la Terre en temple-palais de l'agneau. Hiéron signifie temple-palais. Donc, le bâtiment, le Hiéron, est une matérialisation de ce temple-palais. Et c'est là-dedans où on trouve un cours de mathématiques, d'astronomie, de philosophie platonicienne et aristotélicienne. Alors, à partir de là, je vais essayer d'avancer. Je ne reviens pas sur la description du bâtiment des trois dioramas représentant trois grandes traditions, donc hébraïque, juive, égyptienne, et celtique avec avec Gomère, fils de Japhet. Le baron de Sarachaga décède à Marseille en 1918. Je passe sur certains détails de sa vie. Le directeur désigné est monsieur de Noailla. Jeanne Lépine et Marc de Noailla sont asphyxiés le 5 février 1926. C'est dû à des émanations d'un poêle qui fonctionnait dans le bâtiment du Hiéron. Et comme le précise Jacques Darès, d'ailleurs, en partant du fameux dossier, Jeanne Lépine avait pour mission de transmettre le flambeau ésotérique, mais sous le manteau. Par testament, elle lègue la chevalière qu'elle tenait du baron de Sarachaga à Paul Lecourt. C'était une bague d'or, avec un chaton de pierre noire, chaton sur lequel il y avait en blanc le profil de Cybèle, la mère des dieux. Et comme le dit Jacques Darès, mais alors, Paul Lecourt aurait-il été le successeur occulte? Il ne fait aucun doute que dans l'esprit de Mademoiselle Lépine, celui-ci aurait dû avoir un rôle important à jouer dans le cadre d'une mission extérieure vis-à-vis d'un centre occulte. De nombreux passages de leur correspondance en portent témoignage. Mais alors, quels auraient été les dessous du Hiéron? Et je cite pourquoi. C'est le problème de ce qu'on voit et d'éventuels dessous du Hiéron. On voit une manifestation publique, plus ou moins réussie, et y a-t-il des dessous? Il y a une lettre. Paul Lecourt, bien sûr, tient informé Pierre Dujol de tout cela. On en revient à Pierre Dujol. Il y a une lettre du 6 février 1925. Quels sont les dessous du Hiéron? S'agit-il d'une diffusion préparatoire à la grande évolution qui se prépare pour l'ère du Verseau? Vous vous souvenez de ce qu'on a dit? Alors là, plutôt, il écrit à Jeanne Lépine. Reste à savoir si vous pouvez m'éclairer ou si l'on vous a laissé ignorer à vous-même les dessous du Hiéron. C'est Paul Lecourt qui dit ça, Jeanne Lépine. Ou encore si vous pouvez m'éclairer si vous en avez le droit. Quant à M. de Ronay et au comte dont vous me parlez, ce ne sont que, évidemment, que des acteurs secondaires qui ne savent rien. Je vous ai dit que Paul Lecourt était direct. Et alors, Pierre Dujol écrit à Paul Lecourt, cette lettre figurait dans le dossier. C'est une lettre du 23 février 1925. Voici ce qu'écrit Pierre Dujol. « Cher monsieur et ami, j'ai commencé l'investigation des deux cahiers que vous m'avez laissés. Ils nous apprennent enfin quelque chose. » Non seulement les affiliés du Hiéron s'affichent comme templiers et chevaliers du Graal, mais encore se programment les apôtres des derniers temps, réclamés par la Vierge de la Salette, dans un secret destiné au Saint-Siège. Or, dans le document qui a été publié,
L'apparition de la salette met le clergé en accusation et fait un appel pressant aux apôtres des derniers temps, eux qui savent. Pierre Dujol ajoute « sic ». En effet, les promoteurs de cette croisade se flattent de posséder la connaissance. Il y a du vrai dans ces prétentions, mais jusqu'à quel degré ? Certainement, le mystérieux monsieur Dautin, alors ça figure dans la correspondance de Paul Lecourt, il l'appelle Matama. Il habite Autun, mais on ne connaît pas son nom, on ne le saura jamais. Le mystérieux monsieur Dautin n'est pas étranger à la secte, car il parle la même langue. Chose curieuse, coïncidence bizarre, Ignace de Loyola était un basque espagnol, Sarachaga est de la même région, et Alcantara de la Galice. Ils m'apparaissent comme les délégués et les missionnés d'un centre occulte religieux. Le Hiéron est donc un raté. Mais cet essai sera repris quelques jours sous une autre forme. Bien cordialement. Et bien à vous. Voilà ce que dit Pierre Dujol. Le Hiéron est donc un raté. Alors maintenant, interrogeons-nous quand même. Enfin, moi. Excusez-moi. Quand même. Cette histoire commence par Pierre Dujol qui envoie Paul Lecourt à Paray-le-Monial en lui disant « Allez donc là-bas ». Et le hasard fait bien les choses, il rencontre Jeanne Lépine. Et là, Pierre Dujol, très péremptoire, dit, explique à Paul Lecourt ce qu'il en est. Je précise que Pierre Dujol souffrait à ce moment-là d'une grave maladie, il avait les membres inférieurs bloqués. Donc il ne pouvait plus se déplacer. Et je pense qu'il se servait de Paul Lecourt comme relais. Mais je vais vous livrer une anecdote. En mes années de jeunesse, j'étais à Savigny chez Eugène Consolier. Tout cela m'intéressait. Je déjeunais à Savigny, ça se passait après le repas dans la salle à manger. Et je pose la question à Eugène Consolier sur le Hiéron. Et là, je vois Eugène Cancelier. Je connaissais bien ses mimiques. Il a le regard qui part ailleurs. Ah ! Oh, quelle histoire ! Le père Lecourt en parlait sans arrêt. Et il dit, et Eugène Cancelier, mais de toute façon, celui qui était au fait de tout cela, c'était le père Dujol. Et il me dit, vous savez, le père Dujol avait fait ses études chez les jésuites, hein. C'est lui qui était au fait de tout cela. Alors peut-être qu'il faut maintenant relire l'histoire d'une autre manière. On sait que Pierre Dujol, je le dis, c'est moi qui le dis, était le mentor de Paul Lecourt, mais que Pierre Dujol a eu plusieurs vies auparavant, je l'ai dit à Toulouse notamment, et que dans les affaires du Hiéron, il y a certains à côté. Et pourquoi dit-il que l'Hiéron est un raté ? Est-ce qu'il y aurait une déviation à un moment donné, c'est-à-dire récupérée dans le cadre d'enjeux de pouvoir ? N'oublions pas la question des officines antimaçonniques de l'époque, j'en parle dans la préface. N'oublions pas l'affaire Taxil, qui est très complexe. Est-ce que l'Hiéron, quelque part, a souffert de cela ? Je cite un point. Vers 1930, un peu avant, Roger Duguay, c'est le pseudonyme de l'abbé Boulin, publie L'élu du dragon, ouvrage antimaçonnique. Il dit bien que c'est un texte ancien de la fin du 19e. Et dans la deuxième édition, dans la préface, il précise que le texte a été retrouvé à Paray-le-Monial. Donc il y a des liens fort complexes entre toutes sortes de réseaux. Et je citerai Paul Vuillot. Donc Paul Vuillot, entre autres choses, a écrit un gros ouvrage qui s'appelle « La cabale juive ». Alors Paul Vuillot a son style, très ironique. Il ne fait pas de cadeaux. Hein. Alors, passe en revue la problématique de la cabale juive. C'est un livre qui est parfois discuté, mais que d'autres trouvent très bien. Il y a un chapitre qui s'appelle « Cabale et franc-maçonnerie ». Et il dit, voilà ce qu'écrit Paul Vuillot, « Monseigneur Merin, qui est le plus savant théoricien de l'école anti-maçonnique. Il a écrit un livre qui s'appelle « La franc-maçonnerie, synagogue de Satan ». Mais c'est un gros volume,
avec une série de planches très élaborées. Et comme tous ces ouvrages soulèvent un certain nombre de questions. Monseigneur Meurin, vous savez, je vous en ai parlé, il eut pour secrétaire Félix de René. Donc il est le plus récent théoricien de l'école antimaçonnique. Il prétend que la Kabbale est la doctrine philosophique des juifs hétérodoxes. Ça, on le retrouve chez Lehmann et d'autres, où il y a deux Kabbales. Nous consacrerons pourtant quelques lignes à une école dont Monseigneur Meurin fut le maître. C'est dans son livre, la Kabbale juive. Et docteur, il s'agit de l'école du Hieron de Paray-le-Monial qui avait pour but de continuer l'œuvre du père jésuite Drevon. On y professe une gnose, une cabale singulière. Il est rare en effet, sinon chez les occultistes de tout genre, d'étaler une ignorance aussi arrogante que totale. Il paraît que Léon XIII lisait les fascicules du Hieron. Et comment la critique impartiale aurait-elle pu s'exercer? Les publications du Hieron, au titre pompeux, assez luxueuses, n'étaient pas accessibles à tous. S'entendait, n'était pas accessible à tous. D'autre part, leur divulgation semble avoir été réservée à certaines catégories de lecteurs seulement. Y avait-il une raison de discipline intérieure? Nous demandâmes sans succès d'être inscrit pour un abonnement. Communiquait-on entre initiés? Point d'interrogation. Alors, on veut opposer à la tradition sémitique une tradition celtique. Il parle des Targums du Grand Occident. Alors, il ajoute quand même en note, l'hébraïsation du langage chez les druides modernes semble découler d'un centre secret d'initiation non à Paray-le-Monial, mais à Gergovie des Arvernes. Et là, on s'aperçoit que Paul Vuillot est souvent ambigu. Et il ajoute, il conclut, excusez-moi, mais la chose est particulièrement regrettable pour le Hieron, qui par ses relations, sa puissance, certaines tendances de ses directions auraient pu avoir sous quelques rapports une heureuse influence. Je vous livre l'information à l'état brut. Ça nous repose le problème des dessous du Hieron, mais ceci nous emmènerait peut-être très loin. Donc beaucoup d'ambiguïté et probablement beaucoup de dessous sous des apparences qui peuvent paraître assez évidente. Je vous remercie. S'il y a des demandes, n'hésitez pas à me faire signe. Une question. Oui, vous avez fait allusion au subside que recevait la famille Dujol à un moment donné. Vous avez fait allusion au subside que recevait la famille Dujol à un moment donné, des mandats mystérieux. Je précise, ce n'est pas la famille Dujol qui recevait ces subsides, c'était le collège des jésuites d'Aix-en-Provence. Pierre Dujol y était inscrit comme élève et sa pension était payée par un mandat trimestriel qui arrivait d'on ne sait où. Je pense que c'est le grand Honoré de Balzac qui finançait les Dujol. Le grand Honoré de Balzac. Vous l'avez dans Firmin Boissin, excentrique disparu. Ouais. Écoutez, oui, Firmin Boissin fait partie de ce réseau. Ouais. Et Pierre Dujol faisait partie du même réseau que Firmin Boissin. Ouais. Oui. Oui, bon, en tous les cas, merci pour la richesse de votre exposé. C'est pas banal. Bon, j'ai cru comprendre que l'origine du christianisme ne se situait peut-être pas tout à fait à l'endroit où l'on s'y attendait. Et donc,
aurait des origines en l'Atlantide. Ce qui m'étonne, mais pourquoi pas, je ne sais pas tout. Avez-vous des éléments là-dessus ? Alors, écoutez, là, je ne veux pas m'engager dans ce genre de débat. Je dirais simplement, après, c'est un problème complexe, tout dépend dans ce qu'on appelle l'origine du christianisme. Je ne l'ai pas mentionné, mais le Hieron, notamment dans sa dernière partie, faisait référence à un auteur qui a publié un livre en 1872. Cet auteur, c'est l'abbé Jalabert, qui a écrit « Le christianisme avant le Christ ». Et c'est un ecclésiastique qui était à Sainte-Geneviève, à Paris. Il voulait d'ailleurs, en fait, ramener ce qu'on n'appelait pas encore l'ésotérisme. Vous savez, il y avait eu le XVIIIe siècle, la Révolution, donc ce qui était un peu occulte était pro-catholique. Donc l'abbé Jalabert tendait à ramener tout cela dans le giron de l'Église, en disant, mais il y a, ça se situe là. Et effectivement, alors cette question... Si vous voulez, c'est un point très délicat. Effectivement, vous, quelque part, vous avez raison de le soulever. C'est contesté, ça m'ennuie de l'aborder maintenant parce qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps. Parce que ça soulève des aspects extrêmement délicats. Mais c'est vrai que la tendance de ces catégories, que ce soit Paul Lecour et autres, c'est de déplacer le curseur. Je l'ai dit, Paul Lecour, notamment, était un grand admirateur de la Grèce antique. Il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle « Hellénisme et christianisme ». Et il avait, lorsque l'association Atlantis s'est créée, il a deux initiatives. La fête du soleil le 24 juin, c'est-à-dire les feux de Saint-Jean, qu'on continuait jusqu'au bout. Moi, je participais à la préparation, je m'en souviens, donc, de mon temps. Et la fête du soleil, ça vient du Hieron aussi, paradoxalement. Et puis l'autre, c'était le banquet platonicien le 9 novembre, en l'honneur du banquet mythique de Platon. Et vous savez que dans le comité directeur d'Atlantis, il y avait toujours l'ambassadeur de Grèce, et il y a eu longtemps le professeur Grimal, Pierre Grimal, qui est le grand professeur spécialiste des antiquités, des langues grecques. Bon, mais pour votre question, vous m'excuserez, mais je préfère ne pas, à pas aller plus loin. Une dernière question. On va passer à la conférence suivante. Merci beaucoup, Gino.